pas 10, 11 rallyes par an, les années 15, je n'ai jamais compté. Il ne faut pas compter. Je vois toujours devant et puis on n'a pas raté, hein, c'est pas fini. Comment tu fais pour être toujours aussi motivé? Oh, je crois que c'est ma navigatrice qui me motive. Marlène, c'est vrai? Oui. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Tu te traînes ou alors tu lui dis tu le pousses un peu? Non, mais ça, tu le pousses, mais je te traîne aussi quand même. Tu s'emballes un petit peu. Je me traînais, hein. Et regarde, tu fais comme moi, tu grisonnes, hein. Troisième, t'es pas trop déçu? Non, ça va, c'est bien, y aller, c'est sympa, mais je reviendrai. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? La finale? Tu veux te qualifier pour la finale? Ah oui, j'aimerais bien être dans l'Est, parce que la seule poule Tokikar, l'autre poule Tokikar qui court en France, elle est dans l'Est, et j'aimerais bien une fois t'arriver. Tu veux te confronter avec lui? Ouais, en plus, ce mec est sympa, donc je vais y aller. Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux. C'était très belle. Paul et Marlène Payet, troisième du podium de ce rallye. Il y avait quand même deux bons courants, on voit. Hein. Et il y en a pas des deux qui ont laissé des. Hein. Quand, comment ça s'appelle, en gros, l'été cet après-midi, Paul, là, au pont, à Chicane? Là, on a vu des freinages. Et là, on s'est rendu compte que même Yves, il voulait rien céder. Hein. Mais je pense qu'il va nous le confirmer. Deuxième du classement en général, deuxième du groupe A, premier de la classe 7, il pilote une 206 RC, ça fleure bon un peu l'accent bordelais de temps en temps, Yves et Julien Naudot. C'est marrant, mais regardez bien Yves et regardez Popol, les cheveux gris. Ce qui prouve, mais non, ce qui prouve, attends, mais bien t'as vu ce que j'en suis arrivé, ce qui prouve que plus on vieillit, je crois que plus on a un pilote lourd. Ah ouais, puis c'est pas prêt de nous quitter.